Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qui s'est passé avant qu'on s'interrompe au mois de mai? Non. Alors c'est facile. Hein. On était en pleine baston. On était Ouais. retourné au, je sais plus quel temple, je sais pas quoi là. Et il y avait des Allô? espèces de naga ou je sais pas quoi là, des hommes serpents. Non. Non, des hommes lézards. Oh là Ouais, là. les hommes Des hommes lézards. lézards. Ah bon? Des hommes lézards, mais alors. Ah bon? J'étais là. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font en plein désert, au plein milieu de champs de cactus? On va mettre sur la présentation des personnages, comme ça vous allez pouvoir voir vos grandes tronches. Je vais vous demander, puisqu'on reprend un peu, je vais vous demander de faire. Je vais faire un tour de plage. De plage, non, pas un tour de plage, les vacances sont finies. Je vais vous demander de faire un tour. Je vais faire un tour de table en fait pour que vous décriviez un peu ce que vous faites dans la vie, tout ça, tout ça. Reprenez vos notes, vous avez 5 minutes et vous avez 2 heures. Hein? Allez, c'est C'est parti. un contrôle Facebook, j'ai pas de compte Facebook. Alors, Louis, j'ai percuté, ça y est, enfin, j'ai percuté après un an de jeu avec ton pet. Je sais d'où vient cette appellation de Zabu, je sais d'où ça vient. Ah, c'est brillant. Ouais, j'ai mis du temps hein, avant de comprendre en fait. Donc, Ah, tu t'es vu qu'aux abus? ben non, c'est pas ça. Ça vient d'un comics. Ça vient de comment d'un lion qui s'appelle Zabu et Tout à qui fait, appartient à Khazar. le Tarzan de Marvel, ouais, Voilà, c'est tout à fait. ça. Ça vient de là en fait. Ouais. Ça. Et, bon, un an et demi, je percute, mais c'est. Putain, il y a tous mes bonus d'hiver qui ont Bon, disparu. je crois que t'as oublié que tu l'avais déjà Tes percuté. bonus d'hiver? Ah, mais des Et... bonus de compétences, c'est pas grave, on est en Hein. été, Voilà. hein? Non, Gaël, tu la feras pas avant, celle-là. Et la première blague est de Gaël, palapapa. Honteux. Excusez. Non, mais il Ah n'y a non, pas ça fait longtemps, y a oui, pas de c'est normal. problème, Hein. Gaël. C'est normal, ça Non, arrive, maintenant hein, je rentre. ça arrive, c'est Comment j'ai instinctif, oublié ça ça? arrive, c'est émotionnel. Bon. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Voilà. Donc, ben, on va faire un tour de table dans l'ordre de votre arrivée sur le Fantasy Ground. Mais t'as pas repris les notes? Il y avait tout mon background sur 2 pages. Non, non, Gaël, c'est pas vrai. C'est pas vrai Bon alors parce qu'on n'a Zabu, pas, est-ce que on n'a tu peux pas te changé. présenter? Voilà, Zabu, tu te présentes s'il te Oh plaît. Autant je cherche la jingle de la MGM. Voilà. Merci à Zabu de se présenter. Alors vous avez reconnu les mots chèvre, je Oui. comprends pas, Gab est trop con. Kikourbi. Chèvre. Alors, Gab, à quoi tu ressembles? Ah, je suis un grand demi-orc à la peau pâle, donc très surprenant pour un demi-orc. Parce que je descends de une tribu demi-orc ou orc, je ne sais plus. Du désert un peu mystique. Dont mes parents, dont une partie de ma famille est morte dans ce village dont je me souviens plus le nom, où on a été. On m'a délivré. Quel marane. Quel marane. Et où depuis je pratique, j'ai ouvert une boutique et pratique l'herboristerie de caravane, enfin d'échange entre caravane et moi-même allant chercher des herbes rares du coin pour les vendre à d'autres villes plus éloignées. Oui, je vais rajouter que Je suis un effectivement. druide. Que Android. tu essayes d'exploiter en fait les champs de pêche qui sont un petit peu abandonnés aux alentours de Kelmaran pour les réexploiter. Et effectivement, tu as un contact en fait à Catapêche qui s'appelle Chaong qui te permettra de faire du Là, négoce avec d'accord. lui. Ouais, c'est des notes que j'ai déjà Ok. écrites. Récemment, tu as trouvé grâce à Meroga. Comment dire des champignons Oui, je m'en souviens plus, mais oui, c'est vrai. des champignons qui sont très rares puisque s'appellent Olus veritis et ce sont des champignons en fait qu'utilisent principalement les drow pour des poisons
Et ça coûte très cher. Et là, t'as, grâce à Meroga qui est tombé dans un trou, je vous rappelle, parce que vous aviez fait une petite halte avant d'arriver aux demeures de la bête, vous aviez fait une petite halte dans une caverne, et vous aviez, Meroga était tombé en fait dans un espèce de trou meuble, et donc sous cette, dans cette caverne qu'elle a découvert, il y avait pas mal de champignons, et tu sais que tu pourras venir ici récupérer un maximum de Holus Veritis, Gab, pour tes prochaines négoces sur Catapêche. Bah, si t'as plus rien d'autre à dire, on va passer à Morcaï. Et je lis le jeu de mots de, d'Antoine sur le chat. Voilà. Et de Gaël. Enfin, c'est celui de Gaël. Alors, Morcaï est plutôt grand, d'allure féline, donc il se déplace en souplesse. Et il a des runes de protection sur tout le corps qu'il a obtenu lors de sa formation d'agent de l'ombre de la fleur de l'aube. Moi, bon, je vous lis pas tout le background parce qu'il y en a 3 pages. Mais il est surnommé l'ombre de Serenrae. Il parcourt donc le Catapêche en tant qu'associé de l'église de Serenrae, fournissant des solutions aux problèmes que la religion ne peut pas se résoudre par la diplomatie ou le pardon. Il fait partie donc de la secte influente de la fleur de l'aube au Catapêche pour extirper donc le mal et la diffusion de la lumière à travers les terres de Serenrae, qui comprennent donc tout le sud à peu près de Golarion. Je me suis retrouvé par là à la recherche de ma sœur que j'ai fini par récupérer, retrouver à Kelmaran. Et depuis, ben, je continue à suivre le groupe tout en œuvrant pour Serenrae. Je vais rajouter 2-3 trucs. Effectivement, après la délivrance de Kelmaran, la princesse. Putain, c'est appelé comment déjà ? Eya. Non. Non, ça c'est Alma. Alma. Elsa. La princesse Alma vous a en fait un peu convoqué pour savoir ce que vous vouliez faire en fait dans Kelmaran, et elle vous a proposé plusieurs comme ça petits secteurs d'activité sous votre contrôle, et elle t'a demandé, Morcaï, effectivement, d'être un peu le protecteur de l'église de Serenrae, et effectivement trouver un prêtre pour l'église de Serenrae qui avait été complètement corrompu, je vous le rappelle. Et afin de sacraliser l'église correctement, et puis ouvrir effectivement une de tes branches, une branche cachée dans laquelle tu es issu, n'est-ce pas ? D'accord. Meroga. Voilà, c'est l'élément principal. En stress, elle parle mal. Enfin, vous comprenez rien, quoi. Et elle stresse facilement. Et elle stresse facilement. Alors, elle est une exceptionnelle présence, mais tout en jeu d'acteur muet. Tout en réserve. Tout en réserve. Donc, voilà. Oui. Bah oui. Hein. D'accord. Voilà. Sinon, tu ressembles à j'ai quoi? J'ai pas mes notes, là. Donc. Mais si t'as tes notes. Hein. Bah non. Un Meroga, quand je regarde à tes notes, moi je vois impressionnante, peu causante. Oui, voilà, mais ouais. C'est ce que j'ai dit. Bah, physiquement, là, y a... c'est un tas de cheveux en fait. Bon, alors moi je rajoute 2-3 choses. Je rajoute que effectivement, à la fin de la d'avoir après avoir libéré en fait Kelmaran, la princesse Alma t'a demandé si tu voulais bien administrer avec Garavel la cité de Kelmaran. Donc ça permettrait de mettre un flux commercial en place, faire un pourcentage des bénéfices total de Kelmaran, et tu serais un petit peu, on va dire, lorsqu'il y a des étrangers, etc., ou des nouveaux commerçants, être un peu la diplomate de Kelmaran pour leur expliquer le fonctionnement du pourcentage, comment ça marche, etc. Est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on a le droit de faire en fait les marchands, etc. Ça te convient ? Ouais, okay. Oui. Si tu le dis. Alors, ben, ensuite.
Après, bah non, mais on en avait discuté. Tout ça, ce sont des prises de notes que moi j'avais pris avant ce qu'on avait fait un scénario où on j'ai expliqué ce que vous pouviez faire. Donc tu étais d'accord avec ça. Donc. Ensuite, y a donc Enroll qui va se présenter. Voilà. C'est fait. Ah, j'ai un deuxième. Zarakai va se. Ah, j'ai une coupure son. Allô. Oui. J'ai une coupure son, vous m'entendez? On t'entend pas. On t'entend. D'accord. Donc j'avais un deuxième son. Ah, c'est Antoine? C'est Antoine qu'on n'entend plus. Antoine? On l'a perdu. Perdu Antoine? Le petit Antoine est demandé à la caisse par sa maman. Ah, c'est heureux. Ah oui. T'as été connecté. Ah non, c'est bizarre ce qui s'est passé là. Forzium reconnected. Ouais, t'as une déco. Tout simplement. Donc, j'avais. On était où? On en était aux présentations de Enroll. Donc, j'avais donc un autre son pour. Donc, il y avait ce premier son. Ça, c'est quand il est content. Et ça. Quand il est en colère. On voit bien, on entend bien la différence. Hein. Ouais, ça change tout. Ça change tout. Et quand il a faim? Ah, d'accord. Ah ouais. Alors, pourquoi j'ai un effet moins 2 là? Attends. Parce qu'il y a la puanteur, tout ça. Je vais vous remettre dans le contexte du combat que nous apprêtions à faire. Zarakai, je vais pas le présenter, c'est un nain, guerrier, bourru, adepte des urnes et autres poteries. Voilà. Et on va finir par Nabil. Nabil, donc c'est un humain, un chasseur issu d'une tribu de nomades de la région montagneuse d'Ouaba. Bien sûr, vous connaissez. Mince et musclé, cheveux bruns mi-longs, un air louche, des yeux marrons qui sont toujours en alerte. L'apparence froide et fermée, il sait pourtant se montrer généreux et bienveillant. Voilà. Et voilà. Un chasseur. Et il a élevé, donc il se balade toujours donc avec son compagnon Enroll, un bébé roc qu'il a trouvé quelques années plus tôt. Ouais, un bébé roc. Un bébé roc. On les voit demain. Une private joke parce que Franck peut pas comprendre. Ah, faut suivre. Faut suivre. Bon, voilà, c'est tout, hein. Ok. Écoutez, je vais faire un petit résumé très rapide. Et moi, tu rajoutes rien. Alors, tout le monde t'a rajouté quelque chose et moi rien. Ah oui, pardon. Alors, oui, Nabil, effectivement, tu as. Tu as un super vêtement, voilà, que t'as acheté il n'y a pas longtemps. Il est très beau. Voilà. Non, tu t'es mis à la fabrication d'arcs et de flèches parce que tu es. Un archer émérite et du coup avoir ton petit commerce d'arc et de flèches te tente bien, surtout que tu vas avoir amené à protéger en fait des caravanes qui vont être escortées entre Kelmaran, on va dire la liaison commerciale entre Kelmaran et puis Katapesh, pardon, puis d'autres villes qui seront peut-être pas des villes mais des oasis en fait entre les deux. Donc du coup effectivement la protection des oasis, l'escorte des caravanes, tout ça sont des choses de laquelle tu vas pouvoir travailler, hein. Et puis voilà, donc on avait donc effectivement commencé par une invitation d'un homme qui faisait plus de 2 mètres de haut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous remontrer une petite image de cette personne qui est venue à votre rencontre. S'il te plaît. Attendez 2 secondes parce que j'ai un problème. Ça faisait longtemps. Ah ouais. Et sinon, Nabil, t'es un peu monomaniaque comme mec, quoi. Je veux dire, t'es chasseur et ton hobby, c'est faire des arcs et des flèches. Ah écoute, c'est pas très original, je l'avoue. Alors. Putain, il est où? T'aurais pu choisir la taxidermie, quelque chose.
Taxidermie, mec, mais quelle honte. Voilà, donc effectivement, est apparu après, on va dire quelques semaines après la libération de Kel'Maran, qui est toujours en reconstruction, hein, depuis que vous êtes parti, de toute façon elle est en reconstruction, et elle va l'être pendant un bon moment, parce que la cité avait quand même été bien dévastée par les gnolls, et puis parce qu'il s'était passé il y a une vingtaine d'années de ça. Et en fait, un homme est arrivé avec une caravane de marchands. Et voilà à quoi ressemblait notre ami. Est-ce que vous vous souvenez ? Il faisait plus de 2 mètres de haut. Ah oui, ouais. En même temps, il y a une image de fond. Hein, donc... En même temps, il y a une image de fond. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, hop, je vais changer. Donc, effectivement, donc cette personne s'est présentée sous le nom de. Faut pas que je raconte des conneries. Je vais regarder. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont pris des notes. Je vais regarder vos notes parce que je veux pas. Alors, je pense. Voilà. Zeif. Merci Louis hein, d'avoir mis ça. Voilà, effectivement. Je ne l'ai pas retrouvé. Ouais, Zeif. 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 C'est Zeif. Il se présente sous le nom de Zeif. D'accord. Ne regardez pas ce qui est marqué au-dessus. On s'en fout, c'est Zeif. Donc effectivement, apparemment croisé peut-être avec un géant, puisque ce type mesurait plus de 2 mètres, plus de 2 mètres 30. Et oh, il vous a dit qu'en fait qu'il n'appartenait à aucune congrégation. Et que en fait il vous apportait des nouvelles de la guerre qui allait peut-être arriver. Et Est-ce que vous vous en souvenez ? Vous avez pu comprendre en fait que il vénérait quand même la fleur de l'aube, d'après son discours, que c'était aussi un voyageur. Il a arpenté les sables tourbillonnants d'Osirion, les veldes les plus occidentaux du Nex, une grande partie du Catapèche. Bref, c'est un voyageur qui a beaucoup voyagé. Et il a vu beaucoup de choses en matière de cruauté, de ce que pouvaient faire les gens pendant la guerre, etc. Et comme vous vous êtes distingué en vainquant la tribu des Kuldis, la tribu Gnoll Kuldis, et vous aviez repris Kel'Maran, il s'est donc adressé à vous en racontant que des rumeurs vous précédaient déjà, évoquant la libération de la cité, et que déjà en l'espace de 3 semaines, des rumeurs vont bon train sur la libération de Kel'Maran, et que effectivement cette forme de, comment dire, de transaction commerciale et d'impôt qui va être restaurée à Kel'Maran aura pour incidence effectivement d'attirer pas mal de personnes sur Kel'Maran, mais ça va pas amener que des gens, des alliés. Ça va aussi également attirer celles de vos ennemis, celles d'autres ennemis peut-être encore. Et le fameux roi charognard auquel vous pensiez avoir vaincu, en fait, vous aviez l'impression que le roi charognard était cette espèce de grand géant que vous aviez combattu, eh bien en fait n'en est rien, ce n'est pas lui le roi charognard. Et apparemment le roi charognard est toujours en fait dans les lointaines pentes de la montagne pâle, en essayant en fait d'unir sous une même bannière d'autres tribus gnolles, en fait, sous un seul emblème, celle de la Machtu. Ça c'est vague pour vous, je pense, hein, c'est ça. C'est, vous en souvenez plus du tout. Je suis sûr, Charognard, la Machtu. Et donc effectivement, au moment où on va reprendre, vous êtes à la demeure de la bête, là où se trouve le roi Charognard. Vous avez décidé de partir en éclaireur et voir comment ça, bah,
commence à aller tourner en fait. Et effectivement, lorsque vous êtes arrivé aux demeures de la bête, vous avez vu que l'endroit n'était pas du tout vierge et qu'il y avait énormément de monde, surtout des gnolls en fait. Donc vous avez commencé votre exploration de cette cité vraiment, comment dire, immense. Vous avez eu affaire à quelques créatures, dont un espèce de gros mamba, un gros serpent que vous avez réussi à terrasser sans trop de problèmes. Et vous avez commencé à investiguer les lieux et vous êtes tombé sur une bande de, on va dire, de troglodytes qui vouaient un culte à la Machtu. Et vous êtes arrivé au moment où ils étaient en train de faire un espèce de rituel. Et on s'était arrêté là-dessus. Là. Ah bon? Ah, j'aime pas, je suis plein de symboles sous mon token, là. C'est pas bon. Alors vous remarquez qu'effectivement il y a des nouveaux symboles, c'est les symboles qui ont été faits par l'équipe de CQFG. Donc l'équipe de Marc-Jean qui a mis en place des petits icônes particuliers. Vous allez voir, le système est nouveau, est novateur. Et si vous cliquez sur votre personnage et que vous voulez essayer de vous déplacer, vous allez créer en fait une flèche avec des cases, indiquant des cases, combien vous avez le droit à de cases, etc. Et une fois que ce sera validé, c'est moi qui appuie sur votre token pour que vous puissiez bouger là où vous avez décidé d'aller. D'accord. Mais ça, c'est d'origine de FG. Il me semble. En nombre de cases. Mais pas en nombre de cases. En fit. Ça y était, un fit, ouais.